représentant du président du Sénat. Monsieur le Président du Sénat. Chers membres de la famille éprouvée, chers collègues sénateurs, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, la nouvelle de la disparition le 25 mai dernier du sénateur Amadou Paul nous a plongé dans une grande émotion et tristesse. En effet, le Sénat venait une fois de plus d'être frappé par le deuil. Nous savions que le sénateur Amadou Paul était malade. S'il est vrai que sa santé s'est dégradée de plus en plus, sa ténacité et sa combativité nous laissaient cependant espérer qu'il remporterait la lutte vitale qu'il menait. Amoindri par la maladie, mais en même temps sublimé par sa volonté, son courage et son abnégation, le sénateur Amadou Paul avait en effet continué à assumer ses fonctions au milieu de ses pairs, qui ont toujours su l'entourer de leur sympathie et de leur solidarité dans ces moments particulièrement difficiles. Le sénateur Amadou Paul, personnalité avenante et conseiller, une part active dans l'histoire récente de notre pays, administrateur civil principal d'OSL, monsieur Amadou Paul a connu en effet une riche carrière dans la haute administration. D'abord comme inspecteur d'État et ensuite au prestigieux poste de secrétaire général du ministère. De manière ininterrompue, il a été tour à tour secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, secrétaire général du ministère de la Communication
et secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique sur une période totale de 15 ans, 5 mois. Parallèlement, il a été membre de plusieurs conseils d'administration et a présidé celui de la Cameroun Public Extension de 2008 à 2018. Au plan politique, le sénateur Amadou Kodj, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, laisse le souvenir d'un militant engagé et fidèle. Dans son Ménanga natal, il avait fini par faire corps avec le RDPC et son chef, le président Paul Biya, qu'il a servi avec fidélité et loyauté jusqu'à la mort. Élu au Sénat dans le cadre de la législature 2018-2023, le sénateur Amadou Kodj était membre et membre du bureau du Sénat où il occupait le poste de secrétaire. With the death of Senator Amadou Kodj, the Senate CPDM, the Adamawa region, and his family have lost a man of experience and a loved one. To his family, his CPDM comrades and friends, on behalf of the President of the Senate, whom I have the honor of representing, on behalf of senators, and on my own behalf, I offer my heartfelt condolences. Chers collègues, Monsieur le sénateur Amadou Kodj, secrétaire au bureau du Sénat, va et repose en paix. Je vous remercie. Thank you.
intelligent person, very sympathetic, intelligent, nice person. So we developed a special relationship. And a short period of time, we went through illness. I kept in touch with his family, I kept in touch with him up to the last moment. Très humain. Je l'ai connu quand il était au ministère de la communication, il a travaillé avec ma fille et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Plus tard, il me rejoindra au Sénat. C'était un grand homme. Il avait un grand amour pour son pays et pour ses populations, les populations du Nord, de l'Extrême Nord et de tout le temps. Il me manque. Il nous manque. Il manque au Sénat et il manque au Sénat. Merci beaucoup. Grand homme, monsieur, de bonne manière. Il a lutté beaucoup pour la maladie. Hein. Mais la maladie, malheureusement, où elle était plus forte, mais la maladie. Quand je pense que le dernier temps, il venait même ici sur une chaise roulante. Il avait beaucoup de courage. Moi, j'avais eu la chance qu'il me portait à cœur, tout bien, tout honneur. Hein. Il va me manquer de bonnes manières, ces hommes qui vous font le baise-main. Vous voulez même essayer de parler de voilà. Vous connaissez quelques mots, voilà. Alors, il y a beaucoup. Quand j'ai appris sa mort, je me dis, mais est-ce qu'il a eu des moments où il était vraiment maigre, où je craignais. Après, ça allait un peu mieux. Il venait me voir, il venait même, et puis subitement, je lui ai proposé même de venir à Douala en convalescence. Il m'a dit je viendrai. Il n'est pas venu. Et je vais vous dire une chose, même malade comme il était, hein, quand il venait ici, chaque fois il envoyait un appel parce qu'il était me soucier de savoir comment j'ai